bien. J'ai du cœur. Bah non, j'ai réussi à dévisser la première. Et tu veux dire du cœur. Regarde. C'est bon. Coco vient de faire le panneau. Tiens le panneau. Là. Tu veux quoi? Tu veux que je tienne le panneau? Ah bah, allez, allez, bon, bah, allez, Coco. Non, sans déconner, c'est sympa. Expliquez-moi où est-ce qu'on est et pourquoi vous avez ce panneau dans les mains. Alors aujourd'hui, on est à Erani, Saint-Holomone. On fait les villes dans notre coin et on va aller faire les villages derrière. On échange les panneaux de ville ou de village. Et on les met à l'envers, parce que le gouvernement nous balade, donc on a décidé d'aller les balader aussi. On aimerait avoir des réponses à nos questions et à nos demandes du mois de fin janvier, quand on a bloqué la A15. On n'a toujours pas eu de réponse, donc il y a un moment, il va falloir qu'ils en donnent. Rien n'a changé depuis janvier? Non, très peu de choses. Donc, toujours en colère, toujours autant en colère? Ouais, toujours. Pourquoi? Explique-moi en deux mots, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Réduire les charges, éviter les importations, voilà, toutes ces choses-là. Justement, là, c'est la première étape avant peut-être une mobilisation plus dure pour nous faire entendre. C'est exactement ça, en fait. Si ça ne bouge pas avant la fin de l'année, je pense qu'on va rebloquer. Bloquer quoi? Les autoroutes, par exemple. Ça marche, expliquez-moi. On a eu énormément de soutien des gens. Ce qu'on n'a pas forcément dans d'autres manifestations. Ça fait du bien de les voir comme ça, nous klaxonner toute la journée. En fait, il y a un moment, faut que ça bouge, quoi. Faut qu'on puisse vivre de ce qu'on fait. On aimerait pouvoir vivre de ce qu'on fait. Tu lui prends pas là-bas? Bah, Sergi? Bah oui! Là, vous avez beaucoup de panneaux dans votre... Non, pas trop, hein. Ça commence seulement. Hein. Et vous aussi. Je vais bouger, j'arrive pas à dévisser. Tu vas apprendre. J'apprends à l'école là un peu. Moi t'as peut-être d'apprendre sur le pied. Ah, on peut remettre sur le côté. Est-ce qu'on partirait pas à la campagne maintenant? C'est méchant, ça va, mais qu'est-ce que ça se dessin, toi? Ok, parce que c'est... Je sais pas, ça dépend. On va chercher les panneaux. Question? Pourquoi vous faites ça ce soir? Expliquez-moi. Qui ça? À l'envers. Belle planche de cire. Tu mets à l'envers. À l'envers. Beau le panneau. Expliquez-moi pourquoi vous faites ça ce soir? Faites ça parce que c'est le monde à l'envers. Panneau. C'est bien d'avoir des gants. Ouais. Ça sert. Donne tes... Non, tu les prends. J'espère qu'ils ont bien fait ça là-bas. Parce que nous, on l'a mal fait. Hein. Il faudra un sac de boulons et puis hop. Les accroches. Les grosses accroches. Attends. N'hésite pas.
pas le tour, on en fera rien. Bah, c'est ce que je me dis. C'est le cinquième panneau qu'on fait, je crois qu'il y a un petit. Regardez, il est comme ça. Ouais, mais la photo. Oh ouais, il est salé, ouais. Ouais. Téléphone, je prends les accroches. Allez hop. On va aller long alors. Et les accroches ici. On va avoir plus d'accroches que de. Oui, c'est pas nous. Une interview, ça va attirer les femmes, ça. Tu vas être chez le coiffeur hier. C'est que bon. Alors t'es bon. Guillaume. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Tu peux m'expliquer? Là, on est en train de démonter les panneaux pour les échanger. Pourquoi vous faites ça ce soir? On fait ça parce que c'est une action syndicale. Parce qu'on a des revendications. L'année dernière, on avait déjà retourné les panneaux, on les a juste retournés. Mais on n'a pas été écoutés par les politiciens, tout ça. Donc, du coup, on recommence la même action que l'année dernière, mais en pire cette année. Là, vous êtes toujours en colère depuis janvier? On est toujours en colère parce que rien n'a changé. Et on est toujours prêt à faire feu. Ouais. Est-ce que vous diriez que les politiques vous ont menti, vous ont déçu? C'est quoi le mot pour qualifier la colère? Bah, ils sont un peu foutus de nous, ouais. On n'a pas eu derrière vraiment de choses de concret. On a eu beaucoup parlé, mais derrière, il n'y a rien eu de vraiment concret. Ça a débouché sur rien de sérieux. Ouais. Là, ce soir, c'est une première action pour avertir avant peut-être de faire plus. C'est ça, c'est une première action. C'est pour montrer un peu notre colère, comme quoi ça n'a pas suffi. On est toujours là, on est toujours en colère et on est prêt à continuer derrière nos opérations, nos actions. Si rien n'est fait, qu'est-ce qui va se passer? On va vous revoir sur les autoroutes, on va mener des actions plus dures? On verra par la suite ce qu'on fera, mais on espère déjà dans un premier temps. Ça bouge un peu, mais on verra bien. J'arrive ou quoi, mon tata? Avec un peu de lumière, on voit mieux, mais bon. Heureusement qu'il y a. Ah merde, il est tombé! Bah attends, donne, je me tiens avec la main. Attends, je vais le tenir. Pourquoi? On le prend pas celui-là? Si, on peut envoyer à Francky. Vas-y, on envoie à Francky comme ça. Tu dis bisous, Francky. Allez, c'est parti! Envoie-moi la photo. Non, sinon avec Guigui on va aller en chercher d'autres, non? Mais en vrai on peut faire Valent Goujard, Huss. On est à 10, appelle Nico, dis-lui 10. Bah c'est ça. Oh mais au pire c'est pas grave, il y en aura, ils sont perdus. C'est juste qu'on a le téléphone. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites derrière pour retirer les panneaux? On retire les panneaux parce que le gouvernement nous balade depuis un certain temps. Okay. Donc on a décidé d'aller les balader aussi un petit peu. Donc on va échanger les panneaux de place. Comment ça ils vous baladent? C'est-à-dire que depuis l'année dernière, depuis la manifestation et les blocages des autoroutes, on avait demandé certaines choses et nous n'avons rien eu. Donc nous voulons obtenir ce qu'on avait demandé. Et pouvoir travailler de notre métier. Rien n'a changé depuis janvier? Non, rien n'a changé. Sauf la colère qui est toujours présente. Exactement. Expliquez-moi un peu qu'est-ce qui n'a pas changé. Rien, on a trop de charges, il y a trop de produits qui viennent de l'étranger à des prix défiant toute concurrence. On peut pas rivaliser contre ces gens-là. Le gouvernement, il s'est engagé à faire des choses et finalement? Et finalement, il n'y a rien eu. Il y a eu la dissolution, donc l'excuse est là, quoi. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines chez vous? S'ils ne bougent pas rapidement, on va aller rebloquer les autoroutes. Là, ce soir, les panneaux, c'est un avertissement? C'est un premier avertissement, oui. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Est-ce que ça va être plus dur comme mouvement que... Ah, ça sera pas aussi gentil que l'année dernière, je pense. Qu'est-ce qui pourrait faire changer la donne là? Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour calmer? Qu'ils fassent ce qu'ils avaient dit. Vous dites ce sera plus dur qu'en janvier, c'est-à-dire qu'est-ce que... C'est-à-dire que la colère elle est plus forte que l'année dernière. Ils nous prennent un peu pour n'importe quoi, donc on en a franchement marre et on n'a pas envie de finir comme certains collègues ont mal fini, donc on se battra pour notre métier. Ça trouve si jamais le cliquet il passe pas. Ah il peut passer. Prends mon panneau.
Oula. Mais le plus droit, mais là plus droit. En bas avec un bout de ferraille. Bah attends, mais il tourne. Ah bah d'ailleurs, ah bah voilà, ouais, ça y est. C'était ça que je voulais faire. Bah attends. Ah, il faut la base coupante quand même. Ça devient dangereux ou autre. Eh, c'est marrant. N'importe quoi. On se marre bien. Fais gaffe au cap. Et l'autre, faut pas qu'il vienne avec. Hein. Voilà, là, c'est bon. Voilà, c'est lourd quand même. Oh, pire. Mais on en a deux. Bon, tiens, ça, c'est pour ta chambre. Prenez, ils sont là. Mais c'est bon, regarde, on voit, on estime, il n'y a pas de problème. De... Attends, moi, faut pas que pour lui me voyait avec ça. Oh, les salariés. Tiens. Ah, il y en a un petit peu quand même. Attends, regarde. Il n'y a pas de panneau derrière, en plus, c'est bon. C'est bon. Ouais, on va voir, on va voir. Bon, là. Ah ils sont nombreux quand même. Oui, écoute. Allez, où? Bonjour. Ça va les gars? Bonjour. Attends, tu veux garder un champagne toi? Non mais ouais, j'aime bien garder un champagne. De toute façon, vous pouvez en garder. Enlève ta merde. Ah, après on verra. Celui-là c'est dédicace à Franck Morin. Oui, c'est pas une lettre. On rigole quoi? Ah! Ça c'est chez moi! Oh il est beau! Ouais, Vieille France c'est là-bas! T'en as encore? Ah la vache! Ah non, non, celui-là tu le laisses parce que alors là! C'est vraiment ça. C'est la PC, je change du haut. Tout ça. Non, laisse tomber, il m'a rappelé. Je suis 19e ou 24 en fait. T'as remonté, t'en as assez de. Un mec de Shaggy? Ah bah c'est pas. Qui a. On est bien d'accord. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est temps qu'il te change, là, pas de loin. Faut pas trop bien tranquille, d'abord. Hop là, le gouvernement, il vous entend pas? Du tout. J'ai fait 8 jours sur l'autoroute 1, et on n'a rien obtenu, du blabla. Maintenant, il faut du concret, il faut des... de l'écrit, parce que là, il y en a un peu ras-le-bol, on va dire. Ce soir, c'est un avertissement avant de passer à toute... Je pense, hein, Nico. C'est un avertissement avant de passer un cran au-dessus. Hein. Je pense. Voilà ce qu'ils ont fait aussi, Lactalis, pour les éleveurs laitiers. C'est un peu hard. Hein. Je pense que vous diriez, est-ce que le gouvernement, vous pensez qu'il vous a entendu par rapport à janvier dernier? On va voir, ça vient de changer de ministre. On va voir ce qu'il va nous faire. Non, il va falloir mettre des promesses. Il va falloir qu'il bouge là, sérieusement. Et je suis à 60 ans, je suis plus un jeune agriculteur. Hein. Je suis là pour soutenir les jeunes. Celui-là, il va à Pontoise. Oh, mais chez nous, c'est un tour de route, il y a la raquette qui va arriver avec. Chez moi, on met lequel? Donc ça va finir avec les. Chez moi, on met lequel? Attendez, chez moi, j'aimerais bien.
Oui, effectivement, on est toujours plus en colère par rapport à toutes les directives qu'on a eues. On a eu des grosses manifestations qui se sont déroulées en début d'année cette année. Et on n'a pas été entendu par le gouvernement. Et donc aujourd'hui, c'est une première mobilisation pour montrer un peu notre mécontentement. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? On demande un assouplissement des charges administratives et de toute charge qu'on a aujourd'hui qui sont problématiques. L'Europe a fait déjà beaucoup et on attend au niveau national qu'il y ait... Qui est des choses qui s'améliorent. Rien n'a changé depuis janvier. Au niveau européen, on a eu des bonnes améliorations, mais au niveau national, on n'a pas été entendu. Est-ce que c'est un premier avertissement avant d'aller plus loin ? Oui, effectivement, c'est un premier avertissement, comme on avait déjà pu faire les panneaux qui avaient été retournés l'année dernière. Et aujourd'hui, c'est un premier avertissement. On peut le voir comme ça, effectivement. On peut vous retrouver sur l'autoroute dans un mois, deux mois pour montrer votre colère ? C'est fort probable. Peut-être que si les choses n'évoluent pas, c'est fort probable que certains bougent plus qu'aujourd'hui. En fait, on les balade comme le gouvernement nous balade. En fait, ça va faire un an qu'on a commencé nos actions et on a eu que des promesses, pas de concret, rien. Et entre le changement de gouvernement, tout ça, on n'a pas de concret, on se fait balader. Donc aujourd'hui, on balade des panneaux comme le gouvernement nous balade. Depuis janvier, rien n'a changé. Ouais, très peu d'annonces. Il n'y a pas eu vraiment de concret arrivé dans les cours de ferme, donc on n'a pas l'impression d'avoir de grandes avancées. Ils nous ont dit de nous avoir écoutés, mais aujourd'hui on n'en voit pas les fruits. Est-ce que ce soir c'est un premier avertissement d'aller plus loin ? Oui, bien sûr. Expliquez-moi qu'est-ce que vous allez faire. Là aujourd'hui il n'y a rien de décidé, mais ça va monter crescendo. Si on n'est pas entendu, on ira plus loin. On peut vous revoir sur l'autoroute ? Il y a des chances. Même peut-être plus près de Paris, on ne sait pas. Bloquer Paris, c'est la menace que vous faites au gouvernement pour espérer faire bouger les choses ? Pourquoi pas ? Pour l'instant, on n'a rien d'arrêté. Et je pense que l'état d'esprit des agriculteurs aujourd'hui fait que... ce sera plus difficile de les arrêter que ça a été fait au mois de février. La colère est plus grande ? Bien sûr. Et le désarroi par rapport à la mauvaise moisson, le climat qui est vraiment pas du tout avec nous, je pense que c'est de pire en pire. Et donc la cocotte minute, la soupape est bien chargée. Ça peut exploser comme on dit. Voilà, c'est ça, ça peut exploser. On va de la lumière pour les mecs. Oui, je fais partie de la FDSE. Faire passer le fil devant, on s'en fout petit mouvement. Ouais, faites-le passer dans le panneau. Ouais, c'est ça, t'avais notre équipe aussi. C'est à la porte ? Non, elle est par terre. Essaye de faire un tour là comme ça. Essaye de ne pas tomber. Fais un tour derrière. Sur le. Autour du poteau, tu fais un tour. Oh, j'ai pas assez. Là, je te l'entends. On s'en fout, même si c'est bancal. De la France. Vas-y, demain en plus, mon gars, il y a tempête. On tourne correctement. Avec la porte, t'arrives pas à tourner. Attends, j'essaie. Toi, tu plies ça comme tu peux, même si non, tu le repasses dans l'autre pour le retendre un peu. Attends, ça fait la merde. Ça va, ça va comme ça ? Oui, ça va. Je pense que c'est le bordel, je vais enlever le cul là. Ça sera pas. Non, dessert. Vas-y, c'est super. Comme ça, c'est bien. Comme la France. Non, c'est bien là, tu fais pas chier, c'est super. C'est mais super. On peut pas, c'est la galère. Il y a pas de problème. Pour aller en photo, c'est notre premier. Secondes, oui. Je pose deux, trois questions et. Oui, parce qu'il y a eu une histoire de la distribution. Dégueuleux sur le panneau. Eh oui, c'est pas vous. Vas-y, c'est bon, je peux monter.
Ah. C'est à travers. Ah, t'as les accroches qui vont venir.